Les rebelles aux portes de Bangui, la capitale, une armée régulière désorganisée, un pouvoir fragilisé. La République centrafricaine avance dans l'incertitude. Le pays est en proie à une forte agitation politique depuis des années qui s'accentue aujourd'hui. En 2003, François Bozizé, alors général, renverse Ange-Félix Patassé, élu en 1993. Mais la rébellion de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, UFDR, dirigée par Michel Djotodia, refuse ce coup de force. Le pays entre dans un conflit civil. En 2006, la situation s'aggrave lorsque 20 membres du gouvernement et des rebelles sont tués durant une attaque. Les rébellions de l'Armée populaire pour la restauration de la République et la démocratie, APRD, et de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, UFDR, se lancent dans une grande offensive, prenant le contrôle de plusieurs villes dont Birao. La France, ancienne puissance coloniale, intervient, mais également le Tchad, qui déploie des forces armées et une force africaine dont le mandat est donné par l'ONU. Les discussions entre les différentes parties centrafricaines débutent alors pour trouver une solution. C'est finalement au printemps 2007 qu'un accord de paix est signé entre le gouvernement d'une part et l'UFDR d'autre part. Les clauses de cet accord prévoient l'amnistie pour l'UFDR, mais surtout sa reconnaissance en tant qu'entité politique. Les membres de l'UFDR sont même intégrés à l'armée régulière. Le processus désarmement, démobilisation et réintégration DDR est alors lancé. Mais le processus de paix n'intègre pas tous les mouvements rebelles dont certains refusent de participer. En 2010, nouvel accès de violence, la rébellion de la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix, CPJP, entre dans Birao. C'est l'armée tchadienne qui délogera ses hommes. En 2011, après de multiples promesses formulées avant sa réélection très contestée, Bozizé renonce peu à peu aux engagements initialement prévus. Le Séléka, elle dissidente de la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix, CPJP, de la Convention Patriotique pour le Salut Ouakodro, CPSK, de Dafan Mohamed Moussa, et d'une faction dissidente de l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement, UFDR, menace désormais de renverser le pouvoir si tous les termes de l'accord global ne sont pas respectés. Face à une armée sous-équipée, mal organisée et peu motivée, l'avancée de la rébellion s'est faite très rapidement, sans résistance de la part de la population. Les rebelles du Séléka ont déjà pris le contrôle de plusieurs villes. Ils considèrent que le président Bozizé a d'ores et déjà perdu le contrôle du pays et encouragent l'armée à déposer les armes. Mais le Tchad, longtemps allié du pouvoir centrafricain, a, en dépit de relations beaucoup plus dégradées ces dernières années, positionné un contingent à l'entrée de la capitale. Cette colonne tchadienne est le dernier obstacle pour les rebelles qui souhaitent la chute du président. Face aux troubles, le président François Bozizé a demandé l'aide de la communauté internationale, une demande à laquelle François Hollande, chef de l'État français, a opposé une fin de non-recevoir, considérant que ce n'était pas le rôle de son pays de protéger un régime. Les pays d'Afrique centrale ont pris le dossier en main. Vendredi, des émissaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et les ministères des Affaires étrangères de l'organisation se sont réunis à Libreville au Gabon. Objectif, se coordonner pour trouver une issue à la crise. Thank you.